Et tout le monde, on se retrouve dans une vidéo sur Sariel, une vidéo que je devais faire depuis je sais pas combien de temps. Donc une vidéo Sariel, la méta actuellement, donc je joue la team avec Droll, bon on voit c'est l'une des teams les plus optimisées de Sariel. Sauf t'as une team où tu mets Jhin petite à la place, et ensuite tu mets The One. Mais là on va jouer cette team, voilà. Donc là je suis en PP stuff, bien évidemment, comme d'habitude. Cette semaine il y a des règles un peu chiantes, donc en vrai j'espère que ça peut non plus me pénaliser. Donc deuxième règle, t'as pas de vampirisme. Un peu chiant. Et là, quand un ennemi ou toi-même t'es en position, donc un skill de position, tu subis 30% de dégâts en moins. Donc il y a plein de gens qui jouent Sariel. Moi j'ai joué la team classique. Hein. Clairement, avec cette team, les gars, vous dégommez les méodas mode d'assaut. Clairement, Sariel il dégomme les méodas mode d'assaut. Même les escanons, en vrai, tu peux t'en sortir. Mais il faut tuer très rapidement le mec en face. Hein. C'est drôle, en vrai, il se prend un critique d'Escalar Zone, même non crit, hein. Il se one shot généralement. Ça marche comme ça. On va voir, je vais fight qui. Attention. La team meta, ok, ouais, la team meta du coup. Genghis. Je sais pas si c'est un bot, le bot d'Genghis. En plus, il y a une level 2. Bon, ça, c'est une whale, hein, les gars, je vous dis, The Big Whale. 250k, bon, il y a tout le monde 6-6, hein, regardez. Bon, ça, c'est moi. 225 000 HP le Sariel, hein. Quand même. Bah, du coup, c'est son bot. En vrai, moi, ça m'intéresse de faire ça. Hein. Sinon, en vrai, elle va me rendre ouf, la Ellie. En vrai, la Ellie, c'est vraiment le pire perso du jeu. Hein. Parce que, genre, les gars, comme je vous ai dit, j'ai pas de lifesteal. Du coup, drôle, il va pas se régène. Ok. Mais très intéressante. Cool, on peut mettre les dégâts d'entrée de jeu. Il va upkill le bot. Ok, bon, le bot j'ai fait de la merde, donc en vrai, moi, tombé. Hein. Vous pouvez voir mon attaque. Tiens. Wow, les dégâts. Regardez les gars drôles qu'on les prend trop cher. C'est pour un crit. Ils se téléportent dans les abysses. Donc, les gars, on va voir mon attaque. Wow, deux tours. Hein. Bon, c'était parti, les gars, pour faire la mitraillette. Donc, T2. Normalement le Gozer je le tue, hein. Rivavi proc, sans difficulté. Hein. Ça va Sariel? Je te dérange pas trop peut-être. Bon, hein, je demande, on sait jamais. Hein. Okay. Sariel les gars c'est une machine. Hein. T2, 500 000. Ok. Ok nice, au coup je vais laisser mes skills. Bon, le stun en vrai, tant mieux. Là, j'ai fait le bot in wave, donc en gros, les dégâts que j'ai mis, j'aurais mis bah, exactement les mêmes dégâts en fait. Donc là, clairement, c'est un full clear. Hein. On va mettre le level 1 avant. Au pire, non, les gars, vous savez quoi, on met la level 2, j'ai vérifié les stats. Là, il n'y a plus de boost de drôle, donc quand même 26 000, il manque 3 boosts. On va faire ça. Le level 2, on va voir les dégâts. Donc deux bons types, un mauvais type, quoi, tout simplement, j'ai galéré à le dire. My bad. 300 000. Pololo. Ce perso, il est incroyable. Je vous dis, les gars, Sariel, c'est aucun sens ce perso. Genre, vraiment, Sariel, c'est le perso. Il n'y a aucun sens en fait dans le jeu. Genre, tu mets Nao level 3, tu clears tout le terrain et ça single target qui clear. Bah, qui vont shoter un mec sans difficulté. Hein. Moi, j'espère vraiment fight un Meodas AM, donc Meodas mode d'assaut, pour vous montrer à quel point Sariel il prend la team, il a des gommes. Donc, clairement, Meodas, la team Meodas, on gère un Tacos XL de chez Otacos. Hein, genre, vraiment. Ah c'est incroyable les gars, en vrai j'ai vraiment envie de vous montrer. Bon j'espère dans les 3 fights, bon il reste 2 du coup dans la vidéo. Dans les 2 fights récents j'ai fight un Meodas. Parce que clairement, pour vous faire montrer à quel point Meodas c'est trop faible actuellement. Déjà que la team The One, tu le détruis le pauvre. Moi je fight un Meodas AM, là je suis refait. Hein. Pour vous faire montrer. Allez les gars donnez-moi Meodas AM, parce que la team Meta ça me saoule, ok, peut-être un vrai mec. Ok la team concert. Oh, ça c'était vraiment concert, c'est chiant. Ok. Ok, du coup, c'est son bot. En vrai, je vais le stun. En vrai, son terminal, j'ai vu qu'il y a une fusion. Pas me prendre la tête, en vrai, son, il va me rendre ouf. Bon, une team vraiment concert, ça, avec Guy en sub.
En vrai, attends, il y a peut-être moyen de faire un play, hein. Tout dépend de ce qu'il fait, le mec. Ok, level 3. Ok. Oh, le bot, il fait un play, bon, classique, je te dis. Fais voir l'attaque, là, de mon Sariel. T2. 27 000 d'attaque, les gars. Bref, ok. En fait, du coup, je vais jouer comme ça, je pense. Pour one-shot, lui. Clairement, il y a moyen que je one-shot avec une level 2, hein. Ah, dommage, le joueur le debuff, du coup, je fais pas trop de dégâts. Pff. Quand même, j'ai fait aucun crit, les gars, vous avez vu les dégâts? Aucun sens. En plus, avec Guillaume Sop, comme je vous ai dit. Enfin, bref, les gars, le perso, il est incroyablement pété. Qu'est-ce qu'il fait, le bot? Ok, le OK, level 3. Bon, en vrai, ce match, je vais le terminer rapidement, hein, c'est pas... Je vais faire ça. En fait, si vous savez quoi, les gars, je vais faire ça. J'ai le one shot. Là, j'ai le debuff. Donc là, j'ai un debuff d'attaque sur Tarmiel. Mauvais type. Bon, j'ai un debuff de. Ah, je l'ai même pas crit. Ah ouais. Ah ouais, putain, le debuff de death, il m'a vraiment. Enfin, d'attaque, il m'a vraiment. Il m'a vraiment pénalisé, quoi. Ok. Oh, une autre, hein. Bon, le truc de Tamel là, il va vraiment m'ennuyer par contre. Nani Gujila. Bon, le debuff d'attaque là, il rend ouf, hein. En vrai, est-ce que. What, c'est qu'on se prend pas la tête. What, c'est quoi, je vais pas faire le ouf à tenter des trucs. Hop, on fait un classique. T'as, je prends. Hey, avec la règle, les gars, tu mets 0 dégâts, genre, c'est trop marrant. Un up. Ok, non. Ok, du coup, les gars, on va tester un truc, un petit truc. On va mettre. Donc là, il n'y a rien du tout, les gars. J'ai juste le passif de Gozer vert. 260% de dommages crit. En fait, c'est quoi? On va mettre une level 2 pour la beauté. On va mettre ça. Là, il y a juste le passif de Gozer vert. Pff, ouais, vas-y, mais gros. Regarde sur Tarmiel. Vraiment, Sariel, les gars, ça a aucun sens, hein. Genre, vraiment, c'est... Donc là, on va mettre une spéciale bon type sur Guile. Full passif de Sariel, pardon. De Gozer, pardon. Putain, les gars, je suis un peu fatigué, désolé. Donc, les gars, on va voir encore les stats une dernière fois. Donc, ouais, 25 000, on est vraiment full, du coup. Oh, bon, terminé, de toute façon. On peut voir les dégâts de l'aspect. J'ai SP 5, d'ailleurs, les gars, hein. Oh là là, mais gros. Sérieusement, les gars, Sariel, c'est. Genre, enfin, à un moment donné, il faut arrêter, non? Genre. Allez, les gars, donnez-moi un Miodas AM. Comme ça, on est parfait dans la vidéo. Là, on a fait une team Meta The One. Team Tarmiel. Donc, clairement, la team Tarmiel, tu commences en premier, tu stun le Tarmiel. En vrai, c'est. Bah, t'es bien, en fait. Hein. Toute la game, clairement, t'es ok. Hein. Après, je vais shoot le Starosa et t'es tranquille. Bon, moi j'ai pas eu de chance, j'ai pas fait de crit sur Estarosa. Même pas un seul, j'aurais fait un crit, j'aurais tué avec le level 2. Et généralement, si t'arrives à un level 3, je suis tranquille, même sans crit. Tu vois. Sur level 2, c'était juste un peu short, c'est tout. Donne-moi mieux d'Asaim là. Puis c'est pas grave, hein. Mais de toute façon, juste en voyant les dégâts, je pense, mec. Je dis, le perso il est pété. Hein. Bon, ok, petit méta. Je sais pas si c'est un vrai mec. Ça va être vite fixé, j'ai envie de vous dire. C'est un vrai mec, en vrai, il y a peut-être moi qui one-shot mon drôle. Hein. Bon, je fight que des whales, 1000 que crown. Et ce mec, j'ai déjà fight en PP, c'est une grosse balle. Hein. Genre, les gars, vraiment... Hein. Je sais pas s'il se passe quoi aujourd'hui, mais je fight que des baleines. Bon, on va faire le même play que tout à l'heure. Heavy metal. Oh là, on stun la Elisabeth, sur vrai, c'est la plus chante. Son avec ma carte. Oh lolo, oh Gucci. Oh, j'ai balayé le terrain. Allez, mets-moi full attaque, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, on va mettre une attaque level 2. Ok, du coup, je vais avoir 2 boosts en plus. Donc, du coup, je serai presque... mon passif de drôle, il serait presque maxon, on va dire. Ok. Donc, du coup, les gars, on va regarder l'attaque T2.
Un job sériel. Hop. 25 656. Voilà, on part. Hop. Attention les yeux les gars. Oh là là. Escanor qui se fait aspirer mon pote, c'est... aucun sens, clairement. Puis il y avait un boost de stats. Ah clairement ce perso les gars, il y a aucun sens dans le jeu. Genre Sahel, c'est un perso limite, t'es en mode... Ça va Netmarble? Ça se passe bien dans votre tête? Ok, mais pas de chill s'il te plaît, Eli. En vrai du coup je vais mettre un buff de passion juste avant sur Gozer. Hop, on va chercher ça. Et hop, une petite level 3 sur bon type, Gozer vert. Hop, comme ça on fera plus de dégâts. Allez, allez. On va voir les dégâts frérot. Oh lolo. Ah ça a aucun sens ce perso, c'est... Ah c'est du broken cheer, du autiste cheer, c'est... Vas-y, en vrai, il n'y a même pas de mots pour ce perso. En fait, il est beaucoup trop fort que je suis le monde dans le jeu. Oh, elle me rend ouf. Normalement, je devrais casser avec les deux cartes là, de Gozer. Ou level 1. Avec deux mecs. Oh, c'est bon, je casse tranquille. On va les dégâts. AE level 1. 120 000. Honorable. Single target, s'il te plaît. Nice. En plus, il y a trois trucs de patience. Quoi, voir les dégâts level 1. Plus, je vais être full passif. Hein, le drôle bleu. Bah, j'aurai les 6 buffs sur ma tête. Ok, donc il m'en manquera 2 du coup. Au pire, pour le lol, on met une level 3. Attention, les gars. Les trois trucs de résistance. Du coup, il y aura 90% en théorie de dommages en plus. Donc, type neutre. Les trois trucs, enfin, je veux dire, les buffs de résistance. Oh lolo. J'ai fait qu'un crit, je crois. 170k. Enfin, ok, hein, les gars. Sériel, hein. De toute façon, les gars, est-ce que je dois présenter vraiment Sériel? Enfin, là, clairement, j'ai fait l'une des teams bah, les plus puissantes avec lui. Hein. Sauf que tu mets le Zeldris en sub contre les Modas mode assaut. Quand tu vas les fight, vu que eux ils jouent une team full commandement, bah, toi, tu vas booster aussi toute ta team. Enfin, c'est incroyable, hein. Les gars, je vous dis. Contre les Modas mode assaut, le mec qui fait rien. Hein. Genre vraiment le Modas mode assaut. Son pire ennemi c'est Sariel. Et deuxième pire ennemi bah c'est The One quoi. Donc voilà hein, genre juste avec une team bah. Mais tu peux détruire le milieu quoi. Bah voilà les gars. En plus il y a un milieu juste avant, c'est marrant, juste à côté pardon. C'est marrant. Donc voilà les gars, vidéo sur notre ami Sariel. Bon Sariel totalement craqué. En plus c'est pas du tout optimisé hein, genre. Y a pas beaucoup de stats, hein, lui-même, j'ai pas monté à fond, vraiment, j'ai juste pris les skills, j'ai monté voilà, les deux armes, je suis pas full arme en plus. Enfin les gars, je vous dis, mon sale, il est normal, c'est P5. Attaque DCC, en substats, j'ai mis full attaque. Je le dis en fin de vidéo parce que je suis train que j'envoie la question en commentaire. Donc voilà les gars, stuff classique en vrai. J'ai pas mis de dommage crit parce que avant j'avais mis un peu de dommage crit et je trouve que c'était pas non plus... Enfin c'était fort pour l'AOE, mais je préfère mettre full attaque comme j'utilise en sub, etc. C'est plus rentable, tu vois. Et je trouve en vrai tu fais largement... Enfin la single target tu fais largement plus de dégâts, tu vois, genre vu que tu fais pas non plus souvent des crits. Et vu que la single target c'est vraiment l'attaque qui one shot, enfin quand je dis la single target c'est en gros c'est ce skill les gars. Merde pas lui. Celui-là. Donc voilà les gars, vidéo sur Sariel, donc le perso totalement craqué, hein, genre tout va bien. Le perso qui... le moins équilibré du jeu je pense, ouais, clairement. Perso qui est sorti en même temps que Tarmel. Quand il était sorti d'ailleurs le jour... je crois que c'était... ouais, il y a 3 mois maintenant sur la JP. Hein. Le jour même quand il était sorti sur la JP, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait plein de vidéos, etc. Il y avait plein de teams, mais genre c'était limite du one-shot à chaque game. Tu commences en premier, c'était one-shot. Sur l'époque, limite, il n'y avait pas de The One, etc. Enfin... Bref, de toute façon, sur la glo, je pense que vous devez vivre ce que j'ai vécu à l'époque sur la JP. Donc voilà les gars, vidéo sur Sariel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. Tchuss, bonne soirée, vous connaissez les bails. Tchuss les gars.